Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Oui, c'est assez long comme nom. Je pense qu'on est beaucoup à avoir fait des vidéos dessus. Mais bon, vu qu'en ce moment je suis en train de beaucoup torcher le jeu, donc je voulais vous faire une vidéo dessus. Et puis c'est ma première vidéo sur One, donc ça va pouvoir me permettre de tester, c'est pas trop mauvais à l'écran. Bon, alors là on est dans le Say Hey. Donc plutôt, je sais même plus comment c'est le vrai nom, enfin je crois que c'est centre de commande aérien, un truc comme ça. Alors j'ai plusieurs choses dessus. Ouais, hop, on va remettre ça. Donc là je suis avec Quiet qu'on peut voir en face, mais certes je suis un gros pervers de base, mais en fait je l'aime pas du tout, je joue surtout avec D-Dog. Et là c'est surtout parce qu'il me faut, il faut que j'augmente son affection, enfin je sais plus comment ils appellent ça, enfin bref. Donc on a plusieurs menus. Alors je tiens à dire que je suis un novice de Metal Gear, j'ai commencé par celui-là parce qu'il me tentait vraiment. J'ai joué à Metal Gear premier du nom sur Play One je crois, ou avant, enfin bref je sais plus, mais j'avais pas accroché à l'époque. Et là bon bah coup de bol, j'ai accroché. J'ai pas accroché les deux premières heures, mais après j'ai accroché. Ouais, c'est plutôt long, mais bon. Alors le problème c'est que moi en liste d'émission, j'ai tout fait, enfin il m'en manque. Alors je sais pas comment on les débloque, mais je vais essayer de trouver ça. Il m'en manque quelques-unes, notamment par là. Et le dernier je le fais pas encore parce que j'en chie un mort contre le Salanono Trotropus. Et mission secondaire, donc vous avez de quoi faire quand même. Il y a 157 missions. Et pareil, il m'en manque parce que je pense qu'il faut que je fasse des missions du solo qui me manquent également. Mais nous, ce qu'on va aller faire, ça va être essayer de trouver quelques petites missions que je peux refaire, des missions secondaires. Alors là, c'est la carte, normalement, c'est la carte de l'Afghanistan, je crois. Oui, parce que je suis en train de voler au-dessus de l'Afghanistan. Et je vais voir si je peux refaire des missions secondaires, ce que j'espère, parce que j'ai... Ouais, c'est bon. On va faire soldat hautement qualifié. Et je vais aller un peu plus loin, histoire de vous montrer un petit peu le jeu. Alors certes que je vais pas très bien en parler, mais bon. Ah, pour le coup je vais jouer avec Quiet puisqu'il faut que je fasse faut que j'améliore son affection envers moi vu que je l'utilise pas souvent. Donc pour ceux qui veulent à peu près voir, alors il y a sélectionné l'équipement, donc arme principale. Alors bon, moi j'ai peut-être pas tout mais j'en ai quelques-unes quand même. Alors je joue avec celle-là, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'elle est un silencieux, mais c'est vrai que les autres font plus de dégâts en fait. Je fais jamais gaffe en fait, c'est presque depuis le début du jeu que je l'ai. Et j'ai réussi à faire, donc bon, voilà. Je sais même pas s'il y a un silencieux sur celui-là. Mais enfin bref, je garde mon arme actuelle. Et à droite, un bazooka au cas où. Parce que bon, j'étais en train de battre le Salanotropus, donc j'étais obligé de le prendre. Entre guillemets. Et après, bon, j'ai du petit snipe, tranquille, au calme. Arme secondaire, donc vous êtes obligé de prendre votre bras, c'est mieux, hein, vous allez me dire. Et après, vous avez plusieurs choses. Alors moi, j'ai mis main de J-Outil, simplement parce qu'en fait, ça tire la main. Ça va vous ramener la personne vers vous. C'est plutôt utile pour les soldats errants qui des fois ont tendance à se barrer. Après bon, bras étourdissant et bras bionique et bras fusé, je sais pas trop ce que ça fait. Neutraliser les ennemis, donc bon, je le prends pas. Et ensuite je prends le PM anti-émeute tout simplement parce que je l'aime bien. Après c'est vrai que je pourrais prendre les autres pistolets. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas pris. Je sais même pas pourquoi l'autre j'ai pris, je crois que c'était pour la visée que j'ai pris l'autre. Un truc comme ça, je crois que c'est ça. Enfin bref, je garde celui-là pour le moment. Hop, après en arme de soutien, vous avez plusieurs choses, donc je vais peut-être pas tout vous montrer, mais la cage de capture en bas, c'est pour les animaux, le C4, je vous laisse deviner, chargeur pareil, bouteille gris-gris, c'est un appât pour attirer les animaux, ce qui peut être cool pour les envoyer sur des ennemis. Grenade éclairante, machin, je sais plus trop quoi. Je sais même pas ce que c'est. Largage pour des munitions, des silencieux. Ah d'accord, j'ai jamais utilisé. Il y a tellement de choses dans ce Metal Gear. Grenade fumée, je vous ai deviné. Grenade à main, pareil. Leurre pour mettre un leurre de vous. Et voilà, après je crois qu'il y a peut-être d'autres choses, on peut aller voir. Leurre actif, un leurre standard, et en plus un haut-parleur. Ah, c'est pas trop mal. Ça change de mon leurre actuel. Voilà, grenade étourdissante, grenade somnifère. Faudrait que je les remette d'ailleurs. Mine, et voilà. Bon, bref, c'est à peu près ce qu'on peut trouver dans un bon jeu de guerre. Le cigare fantôme, ça vous fait passer l'heure. La boîte, c'est comment dire, emblématique à Metal Gear. La pentésamine, je sais même pas à quoi ça sert. Supprime momentanément les tremblements de main lorsque vous visez avec une arme. Ouais,
Révèle momentanément les organismes environnants. Alors ça, par... Ah oui, ouais. Parce que je peux le faire avec le bras, mais là ça les marque et le bras ça les détecte. C'est pas pareil. Le LVN, c'est simplement une vision nocturne. Et je crois que c'est tout après. Camouflage furtif. Ah, ça peut être assez cool, ça je l'avais jamais mis. Hop, je le mets. Et ensuite, l'accéléramine, utilisé pour provoquer un mode réflexe. Hop. Les outils. J'avais pas mis le dispositif trou de verre, je vais le remettre. Simplement, en fait, pour expliquer pour ceux qui jouent pas, vous pouvez envoyer les ennemis dans votre base, donc la Mother Base. Mais le fulton donc ne passe pas à travers les murs, ce qui est tout à fait logique. En revanche, le trou de verre, oui. Donc ça peut être assez cool. Ça c'est bon. Ensuite, choix du coéquipier. Donc vous avez plusieurs coéquipiers. Alors je pense que c'est le maximum de coéquipiers qu'on peut avoir. Donc il y a des walkers qui est un robot en fait. J'utilise carrément jamais. Je l'ai dû utiliser une fois parce que j'étais forcé ou juste pour le fun. Mais franchement, jamais utilisé. The Horse qui va être très utile au début du jeu. Que j'ai mis avec la tenue Furicorn. Alors ça, je vais pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas encore joué. Et ensuite, vous avez D-Dog, que je vais... Ah non, quoique, ouais, je suis obligé de prendre Quiet pour le moment. D-Dog que j'adore et qui m'a beaucoup servi pendant tout le jeu à partir du moment que j'ai pu l'avoir avec moi en mission. Il me sert quasiment tout le temps parce qu'en fait, il permet de détecter tous les ennemis en les marquant et ça, c'est juste génial. Ensuite, vous pouvez choisir un véhicule. On va pas en choisir un. Et choix du personnage parce que vous n'êtes pas obligé de jouer avec Snake, vous pouvez jouer avec d'autres personnages. Mais bon, pour le fun, moi j'utilise Snake. Par contre, je vais juste essayer d'enlever. Hop, est-ce que le sang va être enlevé? Non, il reste le sang, alors je sais pas pourquoi. C'est depuis quelques missions que c'est ça. Enfin bref, ceux qui connaissent comprendront peut-être pourquoi. En fait, après voilà, vous avez plusieurs tenues, la tenue parasite, alors ça voilà. C'est pareil. Il y a énormément de tenues. Moi je relaisse tenue infiltration et option tête. Vous pouvez mettre un bandana que j'ai eu. Mais après, bien entendu, je vais vous expliquer que vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. On va lancer la mission. Alors après, vous pouvez choisir les horaires et en mettre 18h. Et bien sûr, vous allez en hélicoptère. Alors, comme je disais, vous avez beaucoup d'objets à créer. Ça, je vais vous montrer avec les PIM que vous gagnez en faisant des missions, voilà, vous en débloquez à chaque fois. Alors moi voilà, bon, c'est vrai que j'ai jamais joué à un Metal Gear, enfin jamais vraiment joué à un Metal Gear, donc c'est sûr que je ne connais pas tout à 100%, enfin je ne connais même presque rien, je vais pas vous avouer, j'étais un petit peu largué au début du jeu parce que bon moi, n'ayant jamais joué à un MGS, je ne savais pas de quoi il parlait. Mais ça n'empêche, étant donné que moi j'y ai jamais joué, je peux dire que même ceux qui n'ont jamais joué à Metal Gear vont pouvoir accrocher. Faut dire après que moi j'adore les jeux d'infiltration. Après vous pouvez jouer à la bourrin, ça c'est clair et net comme tout jeu d'infiltration aussi. Mais bon, moi je préfère infiltrer, c'est beaucoup plus fun, ça rajoute beaucoup plus de challenge. Après, ce que je trouve dommage, il y a des missions que je trouve qui ont été copiées-collées. Enfin, c'est même pas que je trouve, c'est ils ont été copiées-collées. C'est juste que c'est la difficulté qui a augmenté. Après il va y avoir total infiltration, extrême, survie. Vous refaites les missions que vous avez déjà faites, mais en soit plus dur, soit vous ne faites pas repérer, etc. Ça dépend en fait du mode. Ça, je vais vous montrer ça sur mon iDroid dès qu'on va atterrir. Hop, on va descendre. Alors je vais vous montrer ça, de toute façon on n'a pas de limite de temps, donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc dans le côté mission, vous avez tout ce qui est largage approvisionnement si vous avez besoin de munitions, etc. Ça vous coûte des points bien entendu quand vous le faites. Soutien coéquipier si vous voulez renvoyer votre chien et appeler quelqu'un d'autre. Alors moi comme un con en plus, putain, j'ai pris D-Dog, mais quel abruti. On va reprendre Quiet et Quiet, non pas en attaque, on va mettre en reco. Et il va falloir la mettre en reco ici. Hop. En attendant, je vais montrer les autres choses. Donc l'appui-feu qui va vous permettre de tirer à coup de gros mortier, on va dire. Plusieurs choses. Soit l'artillerie qui va faire une putain d'explosion. Fumi, je vous laisse deviner. Gaz somnifère, pareil. Alors somnifère est assez précis. Ça va pas, on va dire, l'artillerie, ça va dégommer un petit peu ce qui est aux alentours de votre point. Mais le somnifère hein, doit être vraiment sur la cible. Donc c'est assez chaud. Paillettes, alors ça je l'ai jamais fait, et manipulation de la météo, pareil, j'ai jamais fait donc je vais pas trop en parler. Ensuite hélicoptère, si vous avez besoin de rappeler votre hélicoptère, qu'il vous fasse un soutien, ou carrément le renvoyer.
la liste des missions, donc bon bah ça, voilà, pareil. Déploiement combat, en fait, vos soldats de Mother Base peuvent partir en mission, donc bon, on va renvoyer juste un petit peu là, hop. Là ils vont galérer à mort, hop. On envoie ça. Oh, j'ai plus beaucoup de... Bon, bah tant pis. J'ai pu en envoyer que 4. Eh, je viens de voir un autre truc là. Ah non, d'accord. La cassette, ça vous permet d'écouter des cassettes audio, donc ça peut être les briefings de vos missions, etc. Mais également des musiques. Par exemple, tout simplement ça. Enfin voilà, vous avez plusieurs musiques. Je voulais vous en mettre une, mais je la retrouve plus. Ça m'énerve. Ah tant pis, c'est peut-être dans l'audio 2. Oui, voilà. On va mettre celle-là en attendant. Et le journal, bon, ça vous permet de voir ce qui a été dit comme parole. La base de données, donc voilà, je vous laisse deviner ce que ça fait. Classement SMP, alors ça c'est hyper compliqué, moi je gère pas trop ça. C'est votre base en ligne à moitié, donc ça pour l'instant je gère pas trop. Là vous gérez votre Mother Base. Alors il me reste encore 2, 3, non celle-là va être faite, donc il me reste encore 4 plateformes améliorées à fond. Ce qui est assez chiant parce que le carburant j'arrive pas à en trouver assez, mais bon. Ça fait partie aussi du jeu. Gestion du personnel, vous pouvez gérer votre personnel. Par exemple, si vous dites que, je sais pas, voilà, Cannibal Octopus, bah, il devrait pas trop être là dans l'unité de combat, il devrait plutôt partir en équipe R&D. Alors, R&D, c'est pas recherche et destruction, c'est recherche et développement, hein, je tiens à le dire. Voilà, après, vous pouvez l'envoyer là, ça dépend. Vous faites comme vous le souhaitez. Gestion de ressources, ça permet de gérer tout ce qui est, bah, notamment le carburant, etc. Vous pouvez en revendre également. Et recherche et développement, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est que vous pouvez développer des choses. Alors par exemple pour vos équipiers, donc là moi c'est surtout des trucs pour le robot, mais je m'en fous un peu de lui. Après vous pouvez débloquer pour vous, voilà. Vous le créez, après vous attendez un petit moment que ça se fasse. Alors par exemple je vais essayer de, je sais pas moi, par exemple ça, hop, vous le faites. Et là on va devoir attendre 36 minutes avant que le prototype soit fait. Également disponible pour l'hélicoptère, vous avez plusieurs choses. Et dispositif de sécurité, c'est pour votre base en ligne normalement, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, je peux l'augmenter. Hop, voilà. Hop, celui-là aussi. Voilà. Et c'est bon. Donc là, on va partir en mission. Alors oui, merde, c'est vrai, j'ai plus D-Walker, D-Dog. On va mettre un petit marqueur là. Alors la carte est assez grande, sachant qu'il n'y a pas que ce pays-là. Là, on est en Afghanistan, il y a aussi l'Afrique centrale, si je ne dis pas de bêtises, normalement. Enfin, c'est l'Afrique, ça c'est clair et net. Donc vous avez deux zones de mission assez vastes, beaucoup de missions, je sais pas combien d'heures de jeu je suis, mais j'ai vraiment beaucoup d'heures de jeu. Mais j'adore vraiment, franchement j'adore, et pourtant j'étais pas chaud au début, des personnes m'avaient dit tu vas accrocher mais tu vas ramer avant d'accrocher parce que toi t'auras pas fait les autres. Et c'est vrai que le début va te paraître gnagnon, et c'est vrai que la séquence d'intro dans l'hôpital, bah c'est un peu chiant en fait, c'est... Tu joues 2 minutes, mais après t'as une heure de cinématique, après tu rejoues 2 minutes, etc. C'était un petit peu énervant. Et bon, on va monter là-haut et on va regarder où c'est qu'est notre cible. Alors je les ai déjà faites, mais je vais essayer de les refaire comme il faut. Alors, là on est arrivé. Alors c'est vrai que moi j'ai l'habitude de jouer avec D-Dog, donc c'est assez chaud. Parce que je n'ai pas les ennemis en vue. Ils sont en face là ? Apparemment. Alors Quiet, je sais pas ce qu'elle fait. Bon, elle, je la laisse. On va les scanner. Alors vous pouvez les scanner, l'avantage c'est que vous voyez. Ah bah lui il veut pas. Il me fait bugger ma caméra. L'avantage, vous voyez en fait leur capacité à droite. Donc là vous voyez qu'il est en A+ et en A+ en combat et en médecine. Donc c'est... je vais le prendre lui. Et là pareil, mais c'est... Alors là je sais pas du tout, je crois que ça doit être reconnaissance et l'autre je ne sais pas du tout. Bon bref, j'ai avancé vers eux parce qu'apparemment ça a l'air de se passer là-bas et on va mourir. Voilà. Le gros fail, comme d'habitude. Preuve que je fais mes vidéos mais pas du tout préparé. Là vous en avez encore la preuve. Mais bon, c'est ce qui fait aussi mon charme entre guillemets. Par refaire la mission. Alors j'aurais aimé vous montrer beaucoup plus de gameplay, mais malheureusement c'est que j'ai peur de spoiler, parce que même si le jeu est sorti il y a quelques semaines, moi par exemple ça fait que 2 semaines que je l'ai, donc bon. Il y en a peut-être qui l'ont pas fini tout de suite. Donc je préfère ne pas spoiler. Bon, on va prendre D-Dog, on va pas rappeler Quiet. Ça va être plus simple pour moi. Pour pas trop me fail. Et puis comme ça, vous allez voir que D-Dog est vraiment utile. D-Walker, donc le robot, moi personnellement, je le trouve pas utile. Même Quiet,
Voilà, à la limite, c'est soit qu'elle est inutile, soit qu'elle est hyper abusée parce que, en gros, celui-là qui veut, par exemple, je vais pas vous mentir, il a une mission qu'on doit tuer 4 Skulls qui sont des personnes assez dures à battre. Je veux dire, moi je préfère pas dire de terme parce que sinon je vais me gourer et je vais me faire huer par toute la communauté. Mais enfin, bref, des Skulls sont des personnes assez dures à battre. Et moi, comme un gros lâche, bah le problème c'est qu'en fait en extrême c'était assez dur et je me suis planqué comme il faut. Et j'ai attendu simplement que Coyote les descende avec son sniper. Donc là pour le coup elle a été utile puisque les Skulls ne pouvaient pas m'attaquer. Et elle non plus, donc c'était assez cool. Faut savoir que Coyote est une femme, je vais dire une connerie, mais modifiée. Et elle est tellement modifiée que bah elle est presque intuable. Ce qui est plutôt utile. Donc là on va devoir extraire celui-ci qui est à gauche. Et je regarde si les autres sont assez utiles. Ok. Alors avantage de D-Dog maintenant, c'est qu'il peut carrément tuer les personnes. Ça c'est assez cool, mais pour l'instant je vais pas lui dire. On va plutôt faire un petit truc sympatoche. Alors, toi t'étais inutile. Et toi là-bas je vais te garder. Hop. Bon bien sûr je me suis fait repérer comme une bitos. C'est là-bas je voulais rechoper l'autre, mais c'est vrai que c'était un peu près. Et je crois que j'ai pas pris ma bonne arme. Et là après vous avez juste à utiliser le Fultron qui va permettre de le faire tout simplement ramener à votre base. Alors là il a disparu dans un trou de verre, mais normalement ça l'envoie carrément en l'air. Là c'est juste que j'avais mis le trou de verre pour la mission. Et après voilà, c'est simplement les missions secondaires, il y en a quelques-unes comme ça. Ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être détruire. Là c'est que des soldats hautement qualifiés, je sais pas pourquoi il reste que ça. Après, ça peut être un prisonnier, etc. L'unité blindée, voilà, ça va être que des tanks à détruire. Il y a plusieurs missions assez sympas. On va reprendre l'hélico, donc après il y a juste besoin de l'appeler avec le mode. Hop, rendez-vous, clac. Et je vais vous montrer un petit peu la Mother Base et on va se quitter à la Mother Base. Pour ceux qui veulent voir. Donc ce sera pas une vidéo voilà, où j'aurais montré énormément de gameplay, même pas du tout j'ai envie de vous dire. Voilà, comme d'habitude je remeurs. Ça me faisait chier de faire le tour du truc. Ah j'aurais dû faire retour au CCA, ça aurait été beaucoup plus rapide. Donc ouais, ça va pas être une vidéo hyper top, j'imagine bien. C'est surtout que certains seront peut-être déçus de ce que j'ai fait. Mais le problème c'est que Metal Gear, je ne connais pas plus que ça, voilà, c'était mon premier jeu. Donc j'ai peur de dire soit des grosses boulettes, et voilà, et que tout le monde soit déçu. On va le rappeler. Hop. Et après, j'ai pas envie de spoiler également pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas encore. Et même voilà, ceux qui l'ont, personnellement, moi voilà, il me reste encore des missions à faire. Donc le jeu est assez long. Le seul point négatif que je trouve, c'est que il y a des missions que je trouve que c'est du rembourrage de... Enfin plutôt il fallait combler des heures de jeu, donc on s'est dit on va remettre les mêmes missions. Par exemple, je vais vous faire voir dans la liste des missions principales, je dis bien principales. Vous voyez par exemple là, la dernière c'est Extreme Salon Anthropus. Si on remonte à la je ne sais plus combien, mais ça doit être pas très loin. Quoique si quand même. Hop voilà, Salon Anthropus, la numéro 31. C'est exactement la même, sauf que celle-ci est en extrême. Donc c'est plus dur, mais voilà, c'est la même mission, pareil pour survie, voilà, pareil pour la 49, 48, 47, 44, 43, 42, 40 et 39. Et ça commençait déjà même avant qu'il y avait déjà des missions à refaire, c'est exactement les mêmes. Mais c'est juste la difficulté qui change, enfin on va dire plutôt le défi qui change, puisque des fois ça va être juste être hyper silencieux, des fois carrément vous allez prendre une balle et vous allez mourir, notamment avec le combat contre Coyote. Donc voilà, c'est juste des missions que je trouve qui sont... Enfin, elles ont été là pour combler les heures de jeu. Pareil pour les missions secondaires, c'est quasiment... Vous allez par exemple avoir... Bah là, ce qu'on vient de faire, c'était extraire un soldat hautement qualifié. Et vous allez, je crois, peut-être en avoir une 8 ou 10 comme ça, mission à faire. Alors pour certains, ça peut être nul. Moi, personnellement, ça m'a pas gêné de refaire la même chose à chaque fois. Parce que le lieu était différent et le challenge aussi. Par exemple, les tanks, au début, quand vous allez devoir les détruire, ça va être facile. Ils vont être deux tanks et deux gars en gilet pare-balles. Mais par contre, les dernières missions vont être plus dures et ils vont être, je sais pas, 3 ou 4 tanks, un hélico et 10 mecs en tenue. Donc c'est un peu plus dur. Alors retournez vite fait à Mother Base. Hop, et on va se quitter là-bas. Voilà.
On va aller retourner à Mother Base, qui est en fait notre base. Alors, de ce que j'ai compris, je vais peut-être dire une connerie, mais dans les anciens jeux, elle aurait été détruite et là, ils l'ont refaite. Et ça, c'est un point que je trouvais pas mal et que j'étais étonné de voir d'ailleurs dans MGS. Enfin, j'étais étonné de voir ça, tout simplement. Ça se trouve, il y avait peut-être ça avant, mais je ne pense pas de tête. Mais ce côté gérer la base, etc., c'est assez cool. Gérer son personnel, sachant que si vous y allez moins souvent à Mother Base, le moral de votre personnel va descendre. À l'inverse que si vous y allez souvent, le moral de vos troupes vont au contraire s'agrandir. Et ça, je trouvais ça assez cool, le fait de gérer, d'agrandir les plateformes, le fait de créer nos armes aussi. Enfin voilà, par exemple, il faut tel plan pour débloquer tel truc. Après, il faut également une personne qui a une spécialité, je ne sais pas. Par exemple, pour D-Dog, il me fallait un mec qui avait une spécialité électrofilage. En coup de bol, je l'ai eu pendant une mission, mais voilà, après, il faut trouver le gars qui a écrit. C'est pas forcément écrit avec vos lunettes. Vous pouvez plus voir en quoi ils sont bons, ça va être en médecine, etc. Mais vous n'allez pas forcément voir leur spécialité. Ça dépend des fois. Des fois, elle peut être avoir un point d'interrogation, ça peut être une spécialité de merde comme une spécialité qui est bien. Moi, coup de bol, voilà, j'ai mis du temps quand même à avoir la spécialité pour D-Dog. Hop, on va descendre. Donc j'espère quand même que cette vidéo sur Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, vous aura plu. À la base, je voulais vous faire une vidéo aussi sur MGS Ground Zero. Mais j'ai totalement pas aimé. Alors il y en a, ils vont dire c'était, voilà, moi il y en a beaucoup qui disent que c'est une démo et je suis totalement d'accord avec ça parce que c'est qu'une mission en fait. Et j'étais vraiment déçu. Mais enfin bref, j'espère que cette vidéo sur MGS5 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dessus plus complète, plus de missions, etc. Moi ça me gênera pas du tout. Au contraire, je vous fais voir plus de missions différentes en essayant. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, notamment les mercredis Assassin's Creed 4 Black Flag, bien entendu, qu'on a toujours pas fini, et tant, mais bon, on avance petit à petit, en ce moment j'essaye d'améliorer le Jackdaw, ça c'est autre chose, mais bon. Et dimanche prochain, ça sera une vidéo, je ne sais pas sur quoi, peut-être Assassin's Creed Syndicate, parce que c'est vrai qu'il sort déjà, je l'avais complètement oublié celui-là. Mais sûrement sur Syndicate alors. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis geek et bien, c'était Shadow Nightmare et à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.